Très bon joueur de Gary Control. Hein. Mm. Gary Control, Match Freeze, c'est vraiment des decks qui maîtrisent bien. Bon, là, il n'y a pas de Match Freeze. Non. Mais non, moi, je l'ai vu le long du tournoi. Ouais, on voit la différence. Quand il fait des matchs en miroir. Ouais. Ouais, on voit qu'il y a du travail à 10 démons. Il a l'astuce. Il a des petits plays, des petites ficelles qui sont. Mm. Qui sortent du truc. Et... Non, très bon. Attends, je vais leur dire, hop. Ok, le taunt. Ok, classique, hein. Ça c'est une plaie quand même pour le zoo, parce que un taunt. Toi, ça fait jamais plaisir, parce que là, il met au pire la 3-5, et il peut même pas... Tu vois, encore, il aurait un loup alpha, peut-être que, ouais. Mais encore. Bon. Après, ça peut partir sur un sergent grossier. Ouais. On voit que le sergent grossier, je pense, restera joué. Bon, il a perdu en attaque, mais on le jouait plutôt pour... les plus deux. Bah oui, pour le cri de guerre, là, effectivement. Par contre, regarde, c'est comme le jongleur, à l'époque il a été nerf. Et... Ah non, mais le jongleur, ça n'a jamais été son buddy le problème. Ouais. 3-2, il a été nerf en 2, regarde, il est toujours joué. Et là, compliqué. Ça sort fort, bon, Hortoir, il a le bash, Hortoir. Éventuellement, bash. Sonner, voir ce qu'il touche, ok, un deuxième acolyte, c'est pas terrible. Voilà. Sonner. Et. Trade revanche? Non, il a pas la mana. Ok, sûrement en externe. Ouais, bah, clean de board, hein. Classique. C'est pas les 5 points qu'il peut lui mettre qui vont vraiment, à l'heure actuelle, faire la différence, mais... Ouais. Ça va vite, hein. On est vite débordé. On est vite débordé, ouais. Ok, deuxième, ça va être un problème à gérer. Hein. Il a déjà mis énormément de ressources pour gérer le premier. Ouais, attention, on sait que Conrad qui va passer à 12, là vraiment, je vais être vraiment très forte. Ah là, je pense qu'il va la jouer avant. En tout cas, il a les deux en main, ça peut être vraiment game breaker, hein, ce genre de choses. Bon, on touche l'Elise, hein. Le problème c'est que c'est un peu okay. Trop tard. Non, là, la carte est dégueulasse, le repop est dégueulasse. Est-ce qu'il y a un létal potentiel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 maximum? Alors là, tu rajoutes un, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 5, 13, plus un couteau, ouais, 14. Ça fait 14. Là, il faut vraiment top deck une exec pour le prochain tour. Ah, il veut pas le jouer. Je crois qu'il tourne autour. Loup alpha. Ah, loup alpha change la donne aussi. 3, et on peut poser le loup derrière. Il commence par le loup. Ok, bon. Wow. Dommage, le couteau qui va face. Oh, quoique non, c'est peut-être mieux. Enfin, c'est pareil. De toute façon, il aurait fait le même trade. Hein. Ouais. Ok. Ouais, en tout cas, il a bien optimisé les couteaux. Hein. Il n'y en a aucun qui s'est perdu. Et là, on sait pourquoi il attaque pas. Par rapport à ça. Mmh. Ouais, forcément. Là. Je pense que c'est aussi bien. Un bon droitier. Hein. Ouais. Bon, on va voir ce qui ressort, hein. Pas la 5, ouais, c'est bon. La 2-2, ok, et l'armoire. Ok, bon, ok. Doomguard va. Oh, ouf. Oh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un play golem Non. Ah, là. Là, on va rentabiliser la discard, hein. Ouais, clairement. Ah, puis il manque plus que le golem sort. Ah, ouf. Oh, même pas. Donc là. Même pas. Bon, ça commence à sacrément piquer là. Il n'y a toujours pas d'exec en main. Puis là, est-ce que tu mets l'acolyte avec? Ça fait. Non, même pas. Ok. Il a un top deck feu de lame ou deuxième Doomguard. Ah, même pas. Argus 6. Non, pas encore. Bon, après, il a les PO, hein, il me semble. J'ai joué contre lui ce matin. Ouais. Ah, là, par contre. 6. Ça se joue à pas grand chose, là. Non, mais il a. Est-ce qu'il va tenir? Non, mais. Ah, non, voilà, il l'a vu. Ouais. Non, c'est bon.
Et on est 1-9 du côté de Maybe. Ok. Là, le... Alors là, bon, tu as il aurait là. Dû commencer par la colite, je pense. Non, parce que de toute façon, le play était joué. Ouais. Il n'y avait pas. Y avait pas... Revanche. Alors là, ça fait quand même. Et l'armor up. Là, ça fait quand même mal à. Ouais, après, on meurt pas sur un Doomguard. Voilà. Là, ça va être extrêmement compliqué de s'en débarrasser. Hein. Ouais. 5. Là, vraiment. C'est baston. Deuxième baston, je pense. Je pense, ouais. C'est. Ah là là là. Tu prendrais quoi, toi? Ah ouais, Finlay. Hein. Finlay ouais. Ah oui. Tu chopes le pouvoir du Hunter, t'as été bien. Hein. Ouais, clairement. Avec baston. Je sais pas le pourquoi. J'aurais peut-être mis la goule avant pour les repop. Bon. La goule maintenant. Une armor. Armor up. Et c'est mort. Et c'est mort, dommage. Ouais. 1-0 pour Bozo. Bozo qui sort bien. Bozo qui s'en sort bien, qui a bien joué, qui a bien tourné autour de la revanche à un moment quand il avait 13 points de vie. Donc c'était fort. Allez, 1-0. Allez, du coup, c'est Bozo. Pas de soucis. Ah, venez, il est de votre équipe. Hein. Allez. Ouais. Avec les banderoles. Tiens, hop. Cale-toi. Viens, pose-toi. Tiens, vas-y, installe-toi. Ton équipe. Alors, t'es avec l'équipe de Bozo, c'est ça? Ouais, exactement. Bonsoir. Okay, Calitas. Alors, t'as vu déjà le match-up tout à l'heure Vite fait, ouais, parce que j'ai regardé un peu toutes les équipes qu'on a. Ouais. Mais je sais que Bozo a gagné, mais je sais que Maybe il a une revanche à prendre. Je pense aussi, ouais. Mais il est un peu vénère. Effectivement, apparemment, ça avait. Il est toujours vénère, ouais. Un petit peu. Voilà quoi, contre, c'est du plus du guerrier. Enfin, des decks contrôle contre des decks aggro, quoi. Ouais. Et forcément, normalement, il a un avantage, quoi. Mais bon, après, il joue vachement bien son zoo. On l'a vu là tout à l'heure où il a tourné le tour de la revanche. C'était vraiment très bien joué. Bon, Bozo joue bien. Ouais. Ouais, Bozo joue très très bien. Ouais, mais... Bozo, je pense que c'est l'élément fort de la line-up Hearthstone actuellement. Mmh. Ça fait des semaines et des semaines. Il est très consensuel dans son travail. Et, ça paye. On voit dans ses plays. Il anticipe 2-3 tours. Et c'est assez beau à voir. Quoi. D'accord. Bonne structure, les Calitas. Ouais, ça commence à bien tourner. Mmh. Sur Hearthstone, on est content. Ok, le play qui a été fait pas greedy, je pense. Non, clairement pas. Non, non. Je pense que ça a été fort, ok. Attention, un war, tu l'enterres jamais. Hein. Il peut lui rester un PV et puis. Ouais, grave. Et puis la partie, elle est pas allée. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Combien de fois, moi, je me suis retrouvé avec des wars, il leur restait des PV et puis. Puis au final, 42 vies, quoi. En tout cas, ce qui manquait du côté de Bozo, là, c'était quoi? C'était les déflagrations. Comment on appelle ça? Les projectiles des arcanes. Il a manqué, là, il vient de choper ça, tu vois, c'est peut-être un peu tard. Mais après, ça combotte bien quand même avec la Tuss Flamme. Attention, il a le temps. Hein. Il a le temps. C'est pas Maybe qui va lui rush la gueule. Là, hein, ça, oh non. Clairement. Après, le problème, en tout cas, il avait pas de T3. Il avait pas de follow-up. Effectivement. Qui peut arriver prochain tour, ça c'est essentiellement. Ça, c'est, et ça peut être Gamebreaker. Il chope l'apprenti. Ok. Et on a ça quand même, potentiellement. Ouais. Donc, ça, c'est la carte à garder contre les mages. Et. Par contre, c'est un tour assez faible hein. Ouais. Pour Maybe là. Ok, il préfère partir sur le cairn. Mais il va même chez le slam quoi. Ouais, il peut pas laisser l'apprenti. Non, la 3-4. La 3-4. Ouais, il va la trade. Là, il lui laisse vraiment aucune chance. Ouais. Heureusement, là, on a un très bon top deck du côté de Bozo. Je pense que c'est le meilleur play à faire. Ah oui, après, il joue la version avec Antonidas. Bozo, non, je crois pas. Non. Il n'a pas entendu la okay. Par contre, là, Bozo, ses chances sont quand même très réduites là, à ce stade de la game. Et que le bonheur le sent, là. Clairement. Il n'y aura pas beaucoup de solutions du côté de Bozo. Hein. Ouais, là, ça sera quoi Ouais, c'est triste avec deux execs en main, mais.
Pas trop le choix. Ouais, pas trop le choix. Bon, ça, c'est savoir qu'il y a les execs. Hein. Ouais. C'est vrai. Pour savoir. Ouh. Quand même. Par contre, ça, je pense que Bozo est assez content. Ouais. De voir partir ouais. la tête, il peut clairement voler la game sur une autre boule de feu, par exemple. C'est ça. Et la maîtrise du blocage, on essaye de restack du côté de Maybe. Ouais, d'ailleurs, il cherche de l'armor. Hein. Ouais, ouais, il va réarmor up. Et après le choix, ça lui a fait mal. Ouais, Ragnar ouais. aussi. Ouais, il panique piqué, un peu quoi. Là. Ouais. Oh, on l'avait appelé. Ouais, ah bah là, ouais, clairement, il y avait un potentiel létal. Est-ce que tu partirais? Ouais, moi je partirais. Ouais, quoi. Que... La tisse ouais. flamme, après, elle se fait trade par là, mais bon. Ouais, non. Là, ah, il a une heure le sang. Ouais, une heure le sang. Elle se fait trade par là, elle trade par là. Elle est à 6 là. Ah, moi j'ai jamais rencontré le. C'est quoi que j'ai fait des games, j'ai jamais rencontré le match tempo de Bozo. Ouais. Je vais occuper de moi avec d'autres decks. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps de le sortir. Hmm. Ah, on est sûr. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense que. Il s'est bouffé son armure petit à petit. Mais... Du coup là ça va être un bon tour pour Baby de faire la justicière, ouais. clairement. On va d'ailleurs Bozo hein. On voit à la cam, sur son visage, il est pas très satisfait de voir ça. Non, 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 non. Je pense qu'il tentait à. Je sais pas, il attendait ouais. une carte peut-être ou quelque chose. Ouais, il voulait y aller. Tu sais, ouais. Tant qu'il a pas sorti la justicière ou les maîtriser tout, t'as de quoi faire, mais après, non. Mm. T'as un coup de 4 d'armure. Bon, là, à mon avis, il va un peu vider sa main, quoi. Ouais, c'est ça. Très dans le vide. Hein, il espère aussi que la justicière se fasse trade entre temps. Ouais, bon, je pense que là, oui, ça va être fait. Il y en a un bon petit body quand même du côté de Bozo. Ouais, mais avec Ghoul, Exec. Ouais, Ghoul, Exec. Contaminé. Ça va être. Oh, correct. Un bon Heurtoir. Très bon Heurtoir. Très bon Heurtoir. Le meilleur Heurtoir qu'il puisse faire. Hein. Ouais, Heurtoir, trade avec l'arme, Ghoul, Armor Up, Tauren. Il y a la mana, 4, 5, 6, 7, 9, non, il n'y a pas la mana. Oh là là. Bon, là pour moi, le portail signe la fin de la game. Ouais, là, ah c'est ouais. un peu game breaker. C'était déjà, à mon avis, Lust, mais là... Là, c'était histoire d'être sûr. Voilà. Okay. D'ailleurs, il ne le joue pas. Hein. Non. Non, 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 non. Il préfère value son... ce qui est mieux, quand même. Ouais, il va. Clairement. Parce qu'il n'a pas peur d'un OTK, de toute façon, là, maintenant. Il va essayer de gratter. Hop, le portail. Allez, le petit poney. Allez, ça, Kenzot, ça fait mal. Sympa. On voit Maybe, hein. Maybe qui se marre. Il peut, je pense. Ouais. Voilà, de toute façon, il est bien monté à 20. Ouais, voilà, 15, le concile, logique. Forcément, un partout entre Maybe et Bozo. Alors du coup il reste quoi entre les deux? Donc il reste Il reste démo et voleur pour Maybe. Voilà. Et mage. Et mage et druide. C'est druide hein, qui joue. Je crois que c'est druide. Ouais. C'est global le chaman hein. Ouais. Pas de miracle. Hein. Ça joue quoi là c'est final. Mage et druide. Ouais c'est ça. Final winner non? Non demi-finale. Final, demi-finale. Demi-finale. Là c'est la demi. Alors du coup... Un partout c'est ça? Un partout ouais. Ouais, ouais, un partout, ouais. Je suis la game depuis là-bas. un fanboy. Non le gars c'est son stream quoi. Oui en fait oui c'est ma place. Mais comme ça il peut se reposer un peu. Ouais, lui il a pas arrêté de faire de chercher les gars, on doit vous casser. Ouais ouais ouais. Il a bossé Yuku, il a bossé dans les... T'es dans les arrières donc. C'est ça. L'homme de l'ombre. Ouais. Bon bah Bozo qui voulait je pense défier... le war avec son druide, ouais, mais Maybe il l'a bien contré, et clairement. Ouais, attention à son war, là son luck. Ouais, son luck. Il est vénère. C'est un super deck. Fais pas. C'est un super deck. Vraiment, il est vraiment efficace. Après, ça n'avait pas ce plaisir de retrouver du unlock. Après, on n'est pas au. Le bon vieux unlock T4, c'est fini, mais. Après, next turn, je pense qu'il va coin et Drake. Ouais. Oh, le Fendral agressif. Et du coup, on n'est pas très content quoi du côté de Maybe. De Maybe, ouais. On part sur une 4-8, je crois. Ouais. Et Bozo va nourrir, à mon avis. Oh là là là, c'est fort. Le nourrir qui va être. Qui va être terrible. Puissant quoi, dans le match-up. Être... Ouais. Ça, c'est vraiment. Ça lui fait mal. On là, le voit. Ça fait mal. Je
sais pas si on le voit bien à la caméra, mais... Si, on le voit très bien. Mais il a mal. On voit très bien. Parce que là, c'est quoi? C'est Ragnaros prochain tour, quoi. C'est fou. Ouais. La game... Oh là là, mais ça va très vite. Tout va très vite, quoi. Ouais. Par contre, pourquoi colère? 5, 6, 7... Oh là là. Ok, donc il... Ouais. Il va la trade, par contre, il sait pas qu'il y a le voile de mort. Ouais. Mmh. Et il y a le deuxième aussi. Et là, c'est... Et je pense qu'on va partir sur un sinistre. On sait que la colère est partie. Du coup, on peut le poser plus safe, parce que tout à l'heure, il a préféré la retape. Par contre, Bozo... Ah non. Ah si, auspice, ok. Ouais. Ouais, ça le bloque. C'est vachement bien pensé. Ah oui, ça c'est... Quand on voit la main de Bozo, c'est... Ouais. Vu comme ça, c'est vraiment pas mal. Oh là, il le tente ouais. Non. Ah, il hésite de jouer le 50. Oh là 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 là. Ça. Oh le move. Oh. Il part où? Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regarde un rack qui fait, regarde. Ça c'est le tilt. Oh là là le tilt. Ah ça y est, il est énervé. Oh là 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 là. Oh le tilt de malade. Alors ça, je pense qu'on peut record sur le stream. Ah bah c'est bon, c'est pris, c'est le best-of là. On a le best-of de cette demi-finale. En soi, le manipulateur est pas un mauvais move. Hein. C'était pas mauvais, non, franchement, c'était le mieux. Par contre, on a peut-être pas entendu sur le stream, mais Maybe a gueulé le Ragnaki Face. Le Ragnaki Face qui parie, allez go. Il a pas cru en son Ragnaros, c'est bien non, mais pour c'est lui. Ça, hein, il faut qu'on des cartes. Il le connaît. Il le connaît. Tu penses sur quoi là en vrai? Moi je pense que Racine peut être sympa dans le match-up. Aussi, ouais. Puis d'ailleurs je pense qu'il va même les mettre en 1-1. Ouais, par contre, là. Il va les mettre en 1-1 histoire de multiplier les chances d'un Ragnar. Par contre, bah Flamme. Par contre, si Ragnar trade son Ragnaros, alors là, Bozo aura fait un grand pas vers. Vers la victoire. Vers le 2-1. Et voilà, le bon Ragnaros qui choisit ses cibles. Par contre, voilà, on siphonne. Voilà. Allez, le siphon saoule. Mais il a du retard de malade, ouais. Quoi. Là, ouais, clairement. Est-ce qu'on part sur un heal? Non. Franchement, j'aurais pensé à ça. Après, Drake Azur est un peu plus safe. Oh là là. C'est impressionnant. Ah ouais, là. Le bon droitier. La bonne main. Ouais, c'est insolent. C'est insolent. Le droitier de fou. Il joue un. Bon. Un token, par contre, vu la main de Maybe, on sait sa prochaine carte. Ouais, je pense. Mais par contre, il a pas de follow-up à part ce heal de 3. Ouais. C'est pas fou, quoi. C'est au démo de mettre la pression. Hein. C'est ouais, pas. Là, le match-up est complètement renversé, en fait. Oh là là, il tente le sinistre. Ok, un bon tome, ça peut être intéressant. Mais par contre, c'est pas à Bozo de mettre une pression pareille. C'est ça. Ouais. Bon, quand le druide sort bien, il sort bien aussi. Ouais, ah, mais alors là, c'est vachement bien sorti. Mais là, c'est beaucoup trop bien. Oh là là. Et le double avec le Drake. Ça va vite, hein. Ce match-up, elle est très vite. Ah là, là, impressionnant. Maybe qui applaudit. Franchement. Il fallait croire au Ragnaros. Il fallait croire, ouais. Dommage. Là. Ah là là, le Fandral au début qui a pas été trade et là ça a été infernal avec le Nourish. C'est l'inner Fandral qui a lancé ce match à un rythme infernal. Un rythme infernal, effectivement. Moi c'est marrant Ça vaut les 140 boules de la place. C'était drôle intérieurement, il disait. Voilà. Alors du coup, bah là maintenant un match-up beaucoup plus dur. Oui, par contre, bah là, la différence est... Bonne main. Par contre, il joue Anthony Diaz, du coup. Eh oui, voilà. On en parlait avant. On en parlait avant, effectivement, il joue Anthony Diaz. Alors moi, j'avais essayé avec Mediv, mais il y avait les deux Flamestrike. Ça a marché pendant un moment. Ouais. Moi, j'avais essayé avec l'appel de la nature à 8 à l'époque. Ça te faisait appel de la nature, Ragnaros, c'était pas mal. Ouais. Par contre, la main de Maybe est assez dégueulasse. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Franchement, il prend feu de l'âme pour peut-être trade je pense, hein. Ça 1-3 facilement, mais s'il se fait perd Sylvanas, s'il se fait discard dans le match-up, c'est pas là. Est-ce que Bozo joue un mouton?
non, sur la question aussi. Non, non. Okay. Il va feu de l'âme, non? Ok. Non. Donc il préfère subir, c'est marrant. Ouais. Pourtant il joue pas les gens de l'âme. En fait il voulait peut-être optimiser son Drake next turn. Ouais. Mais moi je trouve quand même un peu greedy de se prendre des dégâts face à un mage pareillement quoi. C'est un mage, après maybe c'est ce qu'il fait. Hein. Enfin, je pense, oui, je pense qu'il sait. Je pense qu'on peut pas remettre en question ses plays. Il le garde pour un potentiel peut-être à Tisclam qui pouvait arriver assez vite. Oh là là aussi. Par contre. Ok. Oh là là. L'éclair. Bon, le face. Et Bozo qui continue, il respecte pas vraiment maybe. Hein. Non. Là, il y a deux classes de joueurs, mais Bozo s'en fout quoi. Ouais. On commence par le voile et là le feu de l'âme justement qui était peut-être misplay. Non, il continue. Hein. C'est marrant. Il continue à insister. Et à mon tour. Voilà. Tac. Et le grimoire bavard. Oh là là. Oh, c'est méchant, ça, c'est énervé. Ouais, bon, la game est plus, mais bah, je pense qu'il voulait partir sur le play. 4-8, ouais. Si elle n'était pas blessée, et ensuite tourne ton 4-8. Ouais. Avec le traînard. Ok. Traînard Zénith. Mais le problème, c'est que contre un mage, le taunt. Ouais. À mon avis, ça fait l'affaire de Bozo quand même. Hein. Voilà. Clairement. Pas l'avoir géré, il a fait tilt complet en plus. Ouais. Tu sais, il aurait pu jouer l'autre boule de feu. En général, tu donnes pas l'information. Entre nous, je pense que maybe est plus dans la game. Voilà, c'est plus possible. Là, c'était pour faire tilt, hein. c'est je pense, c'est jeu, quoi. Mais du coup, ton play était intéressant. Mais on voit très clairement que ça va malheureusement. Ça va pas suffire. Parce que le mage, il passera toujours à travers ça, quoi. Donc. C'est mort. Ça ping. Oh là là. Est-ce qu'il y a, en fait, il y a un potentiel létal. Il suffit qu'un projectile touche face, voilà. c'est win. Ouais. Est-ce qu'il va se tenter? Ça se tente. Je pense que ça se tente, ouais. De toute façon, t'es à 30. Hein. Il veut. Bah oui, non, mais c'est. Non. Ça, franchement, ça se tente. Un projectile face. On va avoir deux. Hein. Mais même un? Et ça face, donc c'est le létal. Derrière les fagots, tour 6 quoi. Oh là là. C'est parce que je suis parfait que je te pète pas la gueule là-dessus. Maybe un peu vénère là pour le coup. Maybe énervé. Là, ça a été. Il avait les bons matchs. Bon. Mais je suis en finale. Il est en finale. Ok, bien joué à toi, Bozo. Du coup, peut-être que Streamer veut te poser une question. Ouais, je veux bien, ouais. Je te laisse possible. C'est avec le spécialiste. Bravo. Alors, déjà, je veux savoir tes classes. Pourquoi et tout? Parce que j'ai pas eu la chance de te streamer en début de ce stream. Enfin, de ce début de tournoi, j'ai vu un petit peu tout le monde, tout ça. Donc là, oui, en bas, il y a écrit Yuku. Mais là, c'est pas Yuku, c'était mon duo. Là, on est avec Bozo. Du coup, 3-1 contre Maybe. Tu as joué contre lui ce matin, apparemment. C'était à peu près la même histoire. Alors, ma stratégie contre Maybe, les deux fois, ça a été 100% chat. Vraiment. je comprends tellement à quel point il est salé. Quoi, parce que le rag, là. Et puis après, sur tempo, j'échappe une boule de feu sur le petit mec. Et puis, il avait rien pour se soigner, je crois. Ouais, clairement. Sauf erreur. Et... En fait, il avait feu de l'âme depuis le début pour ta Wyrm. Il voulait pas la jouer, il restait dans son plan de jeu. Et malheureusement, ça a été trop rapide. Il aurait sûrement dû faire ça, parce qu'elle a trop snowball, ma Wyrm. Je lui ai collé quoi, 15 dégâts avec Tarl. Tu connais l'histoire avec Tarl et Maybe peut-être? Non. Non, bah, il s'est passé à peu près la même chose que toi, mais dans un tournoi beaucoup plus important. Ouais. Ça lui a vraiment faussé en voyant ça. Donc, quand tu vois ça, tu dis putain, c'est la deuxième. Il hésitait à Soulfire la Wyrm. Je pense qu'il a un peu hésité. Non, il a même pas hésité dans son play. Il était resté dans son plan de jeu. Bah justement pour faire le combo que tu as vu à la fin, au moment où tu as réussi à faire les projectiles qui ont un ou carré. Nous on était là, on fait oh là là, est-ce que ça se tente? Et là tout le monde qui disait ah oui, ça se tente et tout. Et tu l'as fait, franchement bien joué. C'était pas super probable ça touche à voir ça. C'était moins que 50-50, il me semble. Alors moi je voulais aussi revenir un petit peu sur ton deck. Je voulais un petit peu savoir. Les trois quarts du temps, on te banne quoi? Shaman, je pense. Je dirais. Alors, de temps en temps. T'as des gens qui sortent une line-up à base de Freeze Mage. Ouais. Non, en fait, ils bannent noir, mais j'ai pas de voir, je suis con. Non, il y a des gens qui m'en bannent Zou, en fait, parce que ça contre bien certaines line-up, je sais pas. Il y a des gens qui se sont ramenés, genre avec Druid, Tempo Mage, Hunter. Et vu que je banne le Shaman, ils ont ces trois decks. Et ces trois decks qui sont faibles contre Zou, en fait. Et du coup, les gens qui se retrouvaient dans cette situation, ils avaient tendance à ban Zou.
ce qui me laissait ouvert le Shaman. J'ai pas perdu une seule game avec Shaman. Ouais. C'est pour ça que je ban Shaman. C'est vraiment un deck qui est au-dessus des autres en ce moment. De toute façon, tout le monde qui est passé, tout le monde m'a dit la même chose. Effectivement, tout le monde ban Shaman. Au niveau de tes autres decks, du coup, pourquoi tu as choisi ces decks-là pour ce tournoi? Le mage, le démozo et le druide. En fait, le druide, c'est un druide, je me rappelle plus, c'est un druide token. C'est un druide token. Ouais. Alors, le druide token, je l'ai pris plutôt que le Maligos, en fait, parce que j'ai monté en ladder avec. Mm-hmm. J'ai monté ce deck vite fait, en fait. Ouais. Vraiment en me souvenant un peu de la liste de tête et tout, en voulant tester. Je me disais au départ, avec le nerf de Yogg, Druid Token était moins dépendant de Yogg que Druid Maligos. Oui. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer de revenir à cette liste. Et en fait, je l'ai sorti, je suis passé du rang 12 au rang 5 avec avant-hier. Et avec un score, je sais pas, j'ai fait 23-2, je crois. Ah ouais, en ladder. Du coup, je me suis dit que j'allais forcément ramener cette liste. Okay. Et puis après, c'est du Conquest. Moi, j'aime pas trop le Conquest personnellement parce que t'as deux stratégies viables en Conquest. En gros, oui. C'est tu ramènes les 4 meilleurs decks. Mm. C'est la stratégie numéro 1. Après, tu peux essayer vaguement de faire appel à une autre stratégie qui consiste à isoler un deck de l'adversaire et puis le contrer avec tous tes decks et puis bourrer dedans. Mais c'est un peu moins consistant. C'est un quoi. Peu moins consistant, voilà. C'est peut-être un peu moins value aussi. C'est ça. Au niveau de ton zoo, c'est bien Disco d'avoir ramené deux decks agressifs, Shaman et zoo. Au moins, t'es sûr qu'on va pas banner des deux. Alors, ce que je me suis dit par rapport aux zoos, c'est que les gens en général, ils jouent super souvent et Druid et Hunter dans leur line-up. Druid et Hunt, ouais. Ouais, et Tempo Mage, c'est un des decks qui est entre c'est les deux. C'est un peu le spot flexible en quatrième deck, quoi. Tu joues Tempo Mage, tu joues Hunter, ouais. Ce genre de trucs. Et du coup, le zoo, il se retrouve très, très avantagé contre trois decks qui sont super présents dans la méta, la méta de tournoi. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée pour ça. Ouais. Et c'est un deck qui est très fort, à mon sens, comme on a pu le voir. Ouais, ouais, bah, effectivement, voilà. Il a été très bon. Shaman, ça va de soi. Druid, j'ai expliqué. Et puis Tempo. Tempo, je pense que, ouais, comme tu disais, c'est vraiment entre les deux, tu as de l'agression. Du contrôle, on va dire, quand même, c'est du contrôle de board, quand même, le token. Et puis le mage qu'on peut situer entre les deux. Bah, le mage, en fait, c'est censé battre War Control. Ouais. En principe, mais ouais. J'arrive pas à battre War Control avec ce mage-là. Ouais. J'aurais peut-être dû plus préparer ce match-up. Je me suis dit qu'il fallait quelque chose contre War, quand même. Pourquoi pas. En plus, après, c'est un deck qui est aussi. Ce genre de deck, je trouve, c'est toujours fort en Conquest parce que c'est un deck qui peut gagner contre tout au final. D'accord. C'est un deck de sortie, c'est un deck très RNG, quoi. Ouais, et ouais, c'est vrai. Au final, tu peux tout battre. Ouais, effectivement. Et ce qui fait que je préfère vraiment jouer ce genre de deck en Conquest plutôt que des decks qui ont des match-ups très polarisés, comme War Control, par exemple, qui se fait complètement défoncer par certains decks, mais qui. Ça, c'est pour moi, c'est plutôt des decks qui sont forts en KOTH. Voilà. D'accord. Après, c'est mon avis. Oui, voilà. Non, mais moi, je pense que t'as raison sur ce principe-là. Donc, c'est bien, t'as quand même une certaine composition mitigée. non, mais vraiment, et qui alterne vraiment, qui peut. Comme tu dis, le mage à coup le guerrier, le démon un peu plus agressif. En général, tu commences par quel deck quand tu commences un match que tu connais pas trop? Alors, en général, je regarde ce que l'adversaire joue et je prends le deck qui a les meilleurs match-up contre l'adversaire. Ah oui, mais si, enfin quand tu le vois pas. Je veux dire, là tu vas commencer, là c'est le BO3, ça commence 0-0. Ouais, bah, je connais les classes de l'adversaire. Ouais. Du coup, j'arrive à deviner à peu près ce qu'il joue. Ce qu'il va potentiellement jouer en premier. Ce qu'il va jouer en premier. Ouais. Non, ce qu'il joue en général. Après, je joue le truc qui a les meilleurs match-up combinés contre la line-up adverse, si tu veux. D'accord, ok. Je sais pas si c'est clair. Là, en fait, je suis parti zoo parce que je pensais pas pour le passer. D'accord, ok. Voilà, oui, en même temps, après, il a essayé de te le contrer en partant sur l'autre. Et c'est dégueulasse parce que les deux fois que j'ai joué contre lui, les deux fois j'ai battu son War Control avec mon zoo et il a eu la HT2. Ouais. En tout cas, t'as bien joué à un moment où t'as tourné autour de la revanche, il avait les deux en main. Ouais. Et quand tu l'as mis à 13 et que t'as pas fait. Alors, après, il a top deck baston, effectivement. Mais vraiment, si tu faisais ça et qu'il te pas baston, tu gagnais. En fait. J'ai bien réussi à me mettre dans une situation où j'avais un board qui était toujours oppressant pour lui, mais j'avais toujours 4-5 cartes dans les mains. Ouais. Du coup, j'avais constamment l'opportunité de remettre du board et tout. Et puis, j'avais toujours un plan.
Et c'est une situation, t'as vraiment envie de te retrouver dans cette situation dans le match-up, quoi. C'est ça. Sinon, ton ressenti pour la finale, tu vas sûrement rencontrer Bastos Savoie, je pense. Ouais, je pense que je rencontrerai Bastos encore une fois, ouais. Et du coup, comment ça s'est passé le premier match? Il m'a battu 3-1. C'est le seul qui m'a battu pour l'instant. Ouais. J'ai senti vraiment chaud, vraiment fort. Je pense que c'est le meilleur joueur sur le... À mon sens, c'est le meilleur joueur sur le tournoi. Mm-hmm. J'ai fait quelques petites... J'ai pris quelques petites décisions discutables contre lui, des trucs... Ok. Voilà. J'aurais pu mieux jouer contre lui. T'aurais pu mieux jouer contre lui, tu penses? Ok. Et je pense que je vais mieux jouer contre lui, du coup, en finale. Ouais, il y a moyen. Bah, du coup, la finale qui sera retranscrite. Hein, donc, je t'invite à revenir jouer ici avec Bastos. Ok. Et puis que le meilleur gagne. Ouais. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Merci. Il n'y a pas de soucis. Bye le chat. Bye.